Je m'appelle Anne Langbringer, j'ai écrit un livre qui s'intitule « Pratiques et bienfaits de la PNL » aux éditions du Courrier du Livre. Donc, la PNL est un modèle inspiré de l'excellence de la communication. Grinder et Bandler, qui en sont les créateurs, ont analysé les bons communicants et ils en ont extrait des modèles, des techniques, des outils que l'on peut utiliser parce que c'est notre cerveau et notre manière de fonctionner qui fait que nous sommes de bons communicants. Si vous avez l'impression que vous tournez en rond, que vous êtes toujours dans un schéma qui revient continuellement, alors là, vous avez des outils qui vont vous permettre de modifier certains comportements, certaines stratégies mentales, c'est-à-dire la manière dont vous allez créer un comportement, et aussi des croyances, ce qu'on appelle des croyances, c'est-à-dire des convictions profondes qui vous mènent à refaire les mêmes erreurs, en fait. Et donc, ça va vous permettre, la PNL, de revenir à une situation beaucoup plus sereine. Le livre est surtout une explication généralisée des étapes qui constituent l'enseignement de la PNL. Donc, il est truffé d'outils. Et pour chaque outil, il y a des exemples, c'est-à-dire des situations réelles de personnes vivantes, de vraies personnes, qui ont eu un problème, qui ont, grâce à la PNL, sont sorties de leurs difficultés. Je me disais que donner des exemples précis, concrets, vivants, ça pouvait être un moyen de montrer aux personnes, aux lecteurs, tout simplement, que c'est possible pour eux, enfin que c'est facile et que ça ne demande pas d'aller faire une formation systématiquement ou de quoi que ce soit. Il suffit d'aller consulter un PNListe, tout simplement. Ce livre s'adresse, comme la communication, ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que vous soyez jeune, que vous soyez âgé, que vous soyez dans un milieu professionnel particulier, qui cherche à améliorer leur quotidien, tout simplement.